Qu'est-ce qu'il est drôle, ce mec. Coucou, chérie. Oui, mon amour. Salut. Allez, va te doucher. Non. Va te doucher. Non. Bébé, va te Quoi? Je doucher. cause avec James. J'ai dit, va te doucher. Je cause avec James. Attends, s'il te Si plaît. tu ne vas pas te doucher, je ne t'en donnerai pas. Va Ok, te ça, doucher. c'est une vraie Va menace. te... Ah! Va te doucher d'abord. D'abord. Vas-y. J'y vais. Je vais sortir, Vas-y. hein. Je serai chaud bouillant. D'accord. D'accord, j'y vais. Je vais prendre mon bain. Ah! Petite nuisible. Oui, hein. Oui, allô, Amanda. Salut papa, bonsoir. Comment vas-tu? Oui, bien sûr, je sais que tu es à Dubaï. Écoute, je voudrais que tu interrompes ta lune de miel et que tu rentres immédiatement. Papa, Solomon et moi, nous sommes à Dubaï pour notre lune de miel. Je n'aimerais pas interrompre notre lune de miel. Solomon ne sera pas content. Oui, mais si ce n'était pas important, je ne t'aurais pas appelé. C'est vraiment très important, c'est une question de... Tu sais, grande importance. Viens juste. D'accord, père. On se voit demain. Une fois que tu seras là, je vais tout t'expliquer. C'est quelque chose qui nous profitera tous les deux, toi et moi. Tu sais... Oui. D'accord. Compris, ça marche. D'accord. Chérie, qui était en train d'appeler? C'est papa. Il veut que je rentre au Nigeria demain. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un souci? Il ne me l'a pas dit. Il a juste dit que c'était très important et que c'était lié à notre état. Allez, chérie, nous sommes là pour notre lune de miel et on va laisser personne nous déranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis que tu ne vas nulle part. Pardon? Je ne peux pas désobéir à mon père. Sais-tu qui est mon père? Est-ce que tu peux arrêter ça? J'ai dit que tu ne vas nulle Je lui ai part. déjà dit que j'arrivais. Quand il a appelé, j'ai répondu. Je m'en vais. Vraiment? Oui. Oui. Quand voyages-tu pour le Nigeria? Amanda, donc tu as décidé de me laisser ici. Alors, apprête-toi et on y va. Pourquoi devrais-je partir? Nous sommes venus à Dubaï pour passer 2 semaines de notre lune de miel et nous ne sommes qu'au quatrième jour et tu veux qu'on parte? Mais tu sais que je dois retourner au Nigeria. Je ne peux pas désobéir à mon père. Et tu me désobéis, moi, ton mari. Solomon, je n'ai pas le temps, encore moins l'énergie pour me disputer, ok? Je dois rentrer. Je ne me dispute pas, j'ai dit simplement qu'il y a une priorité. Nous sommes ici pour notre lune de miel. Quand mon père a appelé, j'ai répondu. On y va. Est-ce que tu viens? Papa. Je ne suis pas contente et mon mari non plus n'est pas content. Notre lune de miel a été interrompue. Eh bien, désolé d'avoir interrompu votre lune de miel, mais quelque chose de plus grand que la lune de miel a surgi. Papa, qu'est-ce que c'est? Je voudrais que tu deviennes le prochain gouverneur de cet état. Quoi? Papa! Oui. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ma chère fille. Je suis ton père. Je suis le président du parti. Je suis l'acteur le plus influent dans le MPP. Le gouverneur et tous les autres acteurs politiques m'écoutent tous. Donc j'ai les moyens de faire de toi le gouverneur de cet état. Je sais, je suis un membre du parti aussi. Mais devenir la prochaine gouverneure de cet État, comment est-ce que cela va arriver?
Ma chère fille, ne t'inquiète pas au sujet de comment ça va arriver. Je ferai que cela arrive comme je viens de te le dire. Je suis l'acteur le plus influent de notre partie maintenant. Et n'oublie pas que l'une des plus grandes ambitions de ta mère était de devenir l'une des premières femmes gouverneurs de cet état. Avant que la mort ne nous la ravisse. Et ton frère n'était pas intéressé par la politique, c'est pour ça qu'il est allé au Canada en privilégiant sa profession. Mais toi, tu t'y intéresses. Alors je sais que tu pourras nous rendre fiers. Alors tu seras le prochain gouverneur. Papa. Oui. Je suis choquée. Non, tu ne le devrais pas. Alors, tu as intérêt à bien te préparer et conduire la troupe pour moi. Voilà pourquoi je t'ai invité. À bien vouloir entrer pour qu'on puisse commencer le travail de fond. Je sais que tu ne me décevras pas. Bien sûr, papa. Je ne te décevrai pas. Et avec toi à mes côtés, c'est la victoire assurée. Merci, papa. Papa, merci. Quoi? Ça va aller. Assieds-toi et digère le choc. Un instant. Bonjour et bienvenue. Merci. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Rien, madame. S'il te plaît, fais un bouillon à la chèvre et apporte-moi ça dans la chambre. Okay? D'accord, madame. Mais madame, le bouillon à la viande de chèvre, c'est pour vous, vous et Oga. Est-ce que tu as vu mon mari ici? Madame, en fait, Oga est à l'intérieur. Mon mari est dans la chambre? Oui, madame. Quand est-il revenu? Environ 20 minutes déjà, oui. D'accord, fais-en pour deux, ok? D'accord, madame. Merci. Chérie! Bonjour, chérie. Donc, tu es rentrée? Je devais rester faire quoi à Dubaï? Bébé, je suis désolée. Je te le promets, je vais me rattraper. Solomon, dis quelque chose, non? Que voudrais-tu que je dise? Que voudrais-tu exactement que je dise? Je suis désolée, ok? Qu'est-ce que tu fais? Je traite des dossiers. Comme d'habitude. Bébé, parle-moi, non? La seule chose que je veux entendre maintenant, c'est de savoir pourquoi ton père a annulé notre lune de miel. Je vais devenir la prochaine gouverneure de cet état. Quoi? Il veut que je sois la prochaine gouverneure de cet état. Oui, entrez. Et... Davido. Mon pote. Mais qu'est-ce que c'est, ce mec? C'est que tu blaguais quand tu m'as dit que tu es rentré au pays. Je t'en prie, assieds-toi, je blaguais pas du tout. Waouh. C'était vrai. Waouh. Alors, comment va ta femme? Elle va bien. Alors, comment comprendre qu'en ces jours de 2 semaines, se soit transformé en 5 jours? Et t'as même repris le boulot. Donc dis-moi, ta femme t'es pas folle de rage à cause de cette décision? Ma femme. C'est en effet ma femme qui a interrompu notre lune de miel. Ouais. Elle est rentrée au Nigeria avant moi. Ah! Oui. Que s'est-ce passé? Avez-vous vu un quelconque malentendu? Non, pas du tout. Le tout-puissant chef Pedro. Son père. Il voudrait que sa fille devienne la prochaine gouverneure de cet état. Quoi? Oui. Alors, votre excellence, merci d'avoir, vous savez, trouvé le temps de venir me voir, même pour un court moment. Ah, Chief Pedro, est-ce bien vous qui le dites? Comment pourrais-je décliner votre invitation? Avez-vous oublié comment vous m'avez pris? Et faites-moi un gouverneur, moi qui n'avais jamais rêvé le devenir. Une telle dette peut-elle être remboursée? Vous voyez, chef Pedro. Oui. Ce bureau de gouverneur est ouvert pour vous tous les jours. D'accord? Et
Et je serai toujours à jamais reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Donc, m'appeler à tout moment est la moindre des choses que vous puissiez faire pour moi. Oui. Et je serai toujours là pour vous. Merci infiniment, votre excellence. Vous savez, voilà autant de qualités que vous avez, qui manquent beaucoup à beaucoup de politiciens de nos jours au Nigeria. La loyauté. Vous n'avez jamais oublié qui vous a nourri. Vous savez, beaucoup de personnes là-dehors préféreraient plutôt mordre la main qui les a nourris. Mais ce n'est pas du tout votre cas. Ouais. Vous êtes une personne vraiment loyale. Chief. Oui. Vous êtes mon parrain en politique. Oh. Et je ne vais jamais essayer de faire quelque chose qui va affecter cette relation. Parce que cela reviendrait à commettre un suicide politique. Oui. Je suis le gouverneur de cet état. Mais vous restez le plus grand des artisans et bâtisseurs politiques de cet état. Merci. Merci, votre excellence, pour votre confiance. Eh bien, vous direz en tout seigneur, tout honneur. Oui, et maintenant, la raison pour laquelle vous êtes ici. Que voulez-vous devenir après cette fonction, c'est-à-dire au terme de votre mandat? Vous souhaitez devenir ministre ou sénateur? Chief Pedro, eh bien, puisque vous demandez, j'aimerais devenir sénateur après que mon mandat aura expiré. Voilà qui me convient. Vous allez être le sénateur représentant notre circonscription sénatorielle. Oui. Chef Pedro, vous faites encore, encore et encore. Vous le méritez. Hey, la chose que je peux vous promettre, c'est que je ne vais jamais vous laisser tomber. Merci. Je ne vais jamais vous décevoir. Merci, votre excellence. Et aussi, il y a autre chose. Je veux votre soutien pour un projet. Et qu'est-ce que ça peut bien être, chef? Je veux que ma fille, Amanda, vous succède au terme de votre mandat. Amanda? Oui. Chef, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop jeune? Est-elle assez mûre pour ce poste? Et de surcroît, elle est une femme. Et vous savez très bien comment cette affaire fonctionne. Nous ne sommes pas en Amérique, vous savez. Écoutez, excellence. Je sais reconnaître les gens assez mûrs pour ce poste quand je les vois. Tout comme je vous avais vu et pris pour faire de vous un gouverneur, même quand vous n'étiez pas sûr d'être à la hauteur. Oui. Amanda est l'une des personnes les plus brillantes que nous puissions avoir. Je le sais. Oui, et elle va très bien assurer en tant que gouverneur de notre état. Sans oublier qu'elle a géré mon conglomérat ces dernières années et qu'elle a fait avec brio jusqu'ici. Chef, c'est bon à entendre. Oui. Mais il y a un problème. Un problème? Un petit problème. Le gouverneur adjoint et un des fonctionnaires, le docteur Smith, sont tous deux intéressés par ce poste. En fait, excellence, voilà pourquoi ça s'appelle la politique. Ne vous en faites pas pour le gouverneur adjoint. Vous savez bien qu'il n'a pas de certificat MYC. Celui qu'il a présenté la dernière fois était faux. Alors la seule chose que je dois faire, c'est de révéler cet aspect de sa vie à la presse et qu'il se contente uniquement de ça. Concernant le docteur Smith, c'est un des miens. Je vais lui parler. Ok, Chief. Voilà qui est résolu alors. C'est ça. Qui suis-je pour dire non lorsque vous me demandez de faire quelque chose pour vous? Merci, excellence. Il n'y a pas de problème, Chief. D'accord. Il n'y a pas de problème. Oui, donc nous allons aller retrouver les autres dans le jardin. Oui. Merci. Merci, merci. Merci. Bonjour, chérie. Salut. Salut, comment vas-tu? Amanda?
C'est vrai que tu as donné à l'église 100 millions de naira? Oui, je l'ai fait. Et comment se fait-il que nous n'ayons pas en parlé? Attends, je ne comprends pas. Pourquoi devrais-je te le dire? Parce que nous vivons sous le même toit. Je ne comprends pas pourquoi c'est un étranger qui doit m'apprendre que ma femme a donné une énorme somme de 100 millions de naira à une église. Si tu veux le savoir, Docteur Itoudé du parti d'opposition devait être à l'événement. Et papa a dit que tout ce qu'il donnerait, je devrais le doubler. Donc il a donné 50 millions, je l'ai doublé, j'ai donné 100 millions. Voici ce que je dis. Nous vivons ce mariage ensemble. Il s'agit de toi et moi. Et l'intrusion de ton père devient énervant et méprisant. Excuse-moi. Mon père voudrait que je réussisse, tout comme lui. Tu as un problème à ce que je réussisse dans ma vie? C'est quel genre de question, ça? C'est quoi cette question? C'est à moi que tu demandes? Je dis tout simplement que je dois être au courant de ce qui se passe sous mon toit. Ce n'est pas ton argent. Tu n'as aucun mot à dire sur ce que je donne dehors. Ce n'est pas ton argent. Pourquoi est-ce que tu me stresses? D'accord. Chef, ce vin est ski. Très bon vin. Voilà pourquoi j'aime toujours venir autour de vous. Tout ce qui tourne autour de vous semble vraiment être spécial. Mais nous sommes des personnes spéciales, n'est-ce pas? Mon président. Oui, chef Pedro. Je vous en prie. président, j'ai besoin du soutien de tout le monde pour ça. Écoutez. Chef Pedro, ce n'est pas une exagération. Si je vous dis que notre grand parti vous appartient, il n'y a rien, je dis bien rien, que vous ne puissiez nous demander. Mm-hmm. Et nous le refusons. Merci. Merci infiniment. Toutefois, j'émets quelques réserves quant au choix de votre fille, Amanda, comme prochaine candidate gouvernorale de notre parti, le MPP, pour la prochaine élection. J'émets en effet des réserves sur son expérience à pouvoir assumer le travail d'une telle envergure. Monsieur le Président, eh bien, j'aimerais vous dire que ma fille a une profonde expérience dans le domaine. Fille a de l'expérience dans ce domaine. Sans oublier qu'elle est diplômée de l'université d'Harvard. Et elle a effectué un petit séjour à la Banque mondiale. Avant de rentrer et prendre soin de mon conglomérat. Ma fille a fait des études d'économie. Et ils sont tous de bons gestionnaires. Chef. Oui. C'est vrai. Votre fille a un profil très remarquable. Merci bien. Même toutes les fois où j'ai souvent discuté avec elle, elle est une personne extraordinairement intelligente. Merci. Mais j'émets toujours des réserves concernant son expérience pratique. Eh bien, écoutez ceci, Président. Vous voyez partout dans le monde, le climat, c'est le changement. Changement de l'ancienne façon de faire les choses pour la nouvelle façon de faire les choses. Changement pour des personnes âgées et aussi fatiguées. Présentées au gouverneur pour les personnes les plus jeunes, dynamiques et plus créatives. Ma fille est juste âgée de 35 ans. Diplômée d'Harvard en économie. C'est la bonne personne comme gouverneur de cet état. Voilà pourquoi je... Vous voyez l'affaire monter. Et n'oubliez pas, je suis là pour la soutenir. Et je peux même dépenser 3 milliards de dollars pour faire d'elle le gouverneur de cet état. Chef Pedro. Oui. Vous venez de dire ma pensée. Je voulais compter sur votre soutien. Puisque vous m'assurez que vous allez la soutenir. Oui. Qu'elle se présente. C'est déjà fait. Elle va assurer, chef. Merci. Merci. C'est ce que j'attends de vous.
Bonjour, papa. Oui, salut. Salut. Bon après-midi, père. Oh, tu es déjà là. Oui, bon après-midi, père. Bon après-midi. Oui, tu as dit que tu voulais me voir. Oui. Le gouverneur en fonction de l'État. Ok. Le président du parti. En fait, tous les membres du conseil exécutif ont tous accepté de soutenir ta candidature pour le poste de gouverneur. Waouh, papa, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, c'est papa, merci beaucoup, merci. Je ne vais pas te décevoir. Je te fais absolument confiance. Merci, merci, oui. Sinon, comment vas-tu? Je vais bien, comme tu vas bien? Ouais, tu as l'air en bon point. Mon avocate spéciale. Son Excellence, des Excellences. La première dame à être élue gouverneur dans l'histoire du Nigeria. Par la grâce de Dieu. Comment va ton mari? Il va bien. Comment tu vas? Et ton mari? Je vais bien. Il va bien également. Bref. Tu sais, quand tu m'as dit que tu interrompais ta lune de miel, j'ai su que c'était pour un truc immense. Imagine que tu deviennes la prochaine gouverneure. J'ai hâte que ça se produise. Moi aussi. Tu sais, le gouverneur actuel, les grands barons, tout le monde s'est aligné pour me soutenir. Wow. C'est incroyable. Ouais, tu parles d'une bonne nouvelle. Je sais. Ta maman serait très fière de toi où elle se trouve. Je sais. Tu sais, c'est exactement ce que mon père a dit. Mm-hmm. Ouais. Tu ne dois pas tomber enceinte maintenant, tu sais. Crois-moi, tu ne devrais pas prendre une grossesse. Ce n'est pas le bon moment d'avoir des bébés maintenant. Oui, je te le dis. Ta campagne commence bientôt et tu sais à quel point ça peut être stressant. Donc tu n'as pas besoin de te mettre la pression avec une grossesse, c'est mon avis. Mon mari sera-t-il d'accord? Il n'a pas le choix. Pour que tu tiens debout et que tu travailles, ma chérie, tu n'as pas besoin de grossesse maintenant. Je ne sais pas. Non, tu n'en as pas besoin. Parle-lui juste. Je le ferai. Comment tu vas? Je vais bien. Regarde-toi, je suis trop fière de toi. Je suis si. Oh, viens là. Oh, c'est toi, vraiment cette fille, génial. Je suis vraiment folle. Merci. C'est vraiment génial. Je suis un peu excitée, tu sais. Moi encore plus. C'est vrai plus, que tu ça sais. A l'air un peu difficile, mais on peut le faire. Je t'aime. Bébé. Mmh. Tu m'as manqué, tu sais. Mmh. Toi aussi, tu m'as vraiment manqué. Mmh. Avant que tu ne commences. Ouais. Donc, après les préliminaires, tu vas utiliser ça. C'est quoi ça? Tu sais ce que c'est. Et pourquoi devrais-je utiliser un préservatif avec ma femme? Parce que je ne veux pas tomber enceinte. Et pourquoi ça, si je me permets? Tu es au courant de mon ambition de devenir gouverneur. N'appelle pas ça ton ambition gouvernorale. C'est une ambition qui t'a été imposée par ton père. Peu importe ce que tu diras, je ne tomberai pas enceinte. Et tu ne m'as pas dit pourquoi? La campagne électorale commencera dans 5 mois. Mm-hmm. Je dois être en forme, mm-hmm. Ok? Je ne me vois pas en train de traîner une grossesse. Et combien de fois devrais-je te dire que je suis un enfant unique et que nous devons commencer à faire des enfants dans ce mariage le plus tôt que possible? Tu devras attendre. Jusqu'à quand? Eh bien, quand j'aurai gagné mon élection de gouverneur. Ou alors après mes 4 premières années de service. T'es pas sérieuse là, pas vrai? Je suis sérieuse. Si tu n'enfiles pas ça, ne me touche pas. Ou tu peux aller te soulager dans la salle de bain. Oudoua? Hey, Christy, ma chérie. Ah, laisse-moi. Christy, tu as fini de préparer? Hein? Mmh? Tu as fini de préparer? Quelle nourriture? Écoute, John, Oga dit qu'il va bientôt sortir et tu dois rapidement laver sa voiture avant qu'il ne sorte. Attends. Depuis que tu es sorti là, lorsque tu me vois, qu'est-ce que je fais? Tu me vois bien laver la voiture de madame et tu veux que je laisse la voiture de madame en cours ou à moitié? Pour bondir et la vaisselle d'Oga? Non, c'est impossible. Entre juste dans cette maison et dis à Oga d'être patient. J'ai fini de laver la voiture de madame et puis je vais aller laver sa part. Vraiment? Oui. Ah! Toi et moi savons qui est Oga.
Dès l'instant où il sortira de cette maison, il trouvera sa voiture sale, il sera très fâché contre toi. John, il est sur le point de sortir, hein? Regardez-moi celle-ci. Ça me concerne en quoi? Écoute, si Oga veut se fâcher, qu'il se fâche même jusqu'à brûler cette maison, qu'il brûle, je m'en fous. Regarde, comme tu me vois, hein? Je ne vais jamais laisser la voiture de ma patronne pour aller laver sa part. Après tout, ce n'est pas Oga qui paye mon salaire, mais c'est madame, c'est ma madame originale qui paye mon salaire. John, oui. Tu vois comme ta bouche balance de haut en bas? Et quand Oga sortira ici, tu lui diras toi-même toutes ces choses que tu viens de balancer. Tu les diras à Oga. Je suis partie. Enfin, qu'il ne sorte, aide-moi à lui transmettre le message quand tu pars du temps. Regardez-moi ça. Et regarde, rassure-toi que mon repas soit dans ma chambre avant que je ne finisse de laver cette voiture. Yeah, yeah. Chérie, j'irai au Canada dans 2 jours et de là, j'irai aux États-Unis. Vraiment? Ouais, il y a des gens que je dois voir et discuter avec eux. Je dois montrer à notre parti que je peux attirer des investisseurs étrangers dans notre pays. Ok. Oh, qui c'est? Papa. Allô, papa? Oui, Amanda. S'il te plaît, viens me voir immédiatement. Ah, ok, on se voit tout à l'heure. D'accord, papa. D'accord, aussi, en venant, prépare-toi à aller à Abuja pour me représenter à une réunion avec le vice-président. S'il te plaît, dépêche-toi. Merci. Bye. Chérie, je dois aller voir papa et je dois me déplacer pour Abuja aujourd'hui. Il a dit que je dois aller le représenter auprès du VP. Tu voyages pour Abuja aujourd'hui? Oui. Chérie, c'est pas juste ça. Je veux dire, nous sommes un jeune couple. Comment allons-nous prendre soin l'un de l'autre et nous aimer mutuellement si tu continues Bébé, à voyager? Je vais juste pour un peu de temps. Je ne vais pas y rester pour toujours. Je vais rentrer. Chérie, c'est pas juste du tout. J'aime vraiment pas ça. Je vais revenir, ok? Tu veux de la viande? Non, j'en ai déjà mangé. T'es sûr que tu n'en veux plus? Bébé. S'il te plaît, mange. Tu dois aller voir ton père. Il t'attend. Je t'aime. Mais tu n'es pas prête à le démontrer. Bien sûr que si. John. John. Hey! Oga. Oga. Bonjour, monsieur. As-tu lavé ma voiture? Non, monsieur. Pourquoi? Monsieur, j'ai dit que je voulais... Quelle connerie es-tu en train de raconter, là? Est-ce qu'elle ne t'a pas transmis mon message? Monsieur, elle m'a dit, c'est que je Va-tu te taire? La prochaine fois que je sors d'ici avec une voiture sale, tu verras ce qui va t'arriver. Dépêche-toi d'aller ouvrir ce foutu portail. Désolé, monsieur. Ok, monsieur. Insensé. Désolé, monsieur. Papa. Oui. Bonjour, père. Bonjour, mais je m'inquiétais déjà un peu. Oh, désolé, les embouteillages. Ah, d'accord. Comment tu vas aujourd'hui? Comme tu peux le constater, je suis aussi jeune qu'un aigle. Papa, tu commences à être accro au vin rouge. Oh, le vin rouge, c'est la meilleure boisson après l'eau. Non, ça ne l'est pas. L'eau, c'est la meilleure boisson. Oui, après le vin pour rouge. Toi. Ouais, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit au sujet de la politique. Ok. Il s'agit simplement de... des grossesses et de l'accouchement. Tu sais que... Je sais où tu veux en venir. Je ne tomberai pas enceinte jusqu'à ce que je gagne ces élections. Ok? Tu es déjà au courant? Bien sûr. Tu as de l'avance. Oui. Maintenant, écoute, laisse-moi te dire pourquoi est-ce que je t'ai fait venir ici. Tu dois te rendre à Abuja. Ok. Dans les locaux de l'hôtel Grand Moulin. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, mon frère. Sois le bienvenu. Que s'est-il passé? La façon dont tu parlais? Il s'agit de ma femme. Amanda
Amanda m'a dit qu'elle ne tombera pas enceinte. Pourquoi? À cause de ce que je t'ai dit, non? Son histoire d'élection gouvernementale. Mais elle aurait pu attendre après son accouchement avant de s'engager dans cette affaire. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais elle a dit non, que son père voudrait qu'elle le fasse immédiatement, qu'ils ont une occasion maintenant et qu'ils doivent le saisir maintenant. Mais as-tu essayé d'en parler avec son père? Comment pourrais-je? Je veux dire, est-ce que je dois le faire? Il ne m'a jamais dit que, ok, voici ce que je voudrais que ta femme fasse. En fait, c'est lui qui a appelé Amanda pour interrompre notre lune des miels à Dubaï. Et lui a ordonné de revenir au Nigeria le jour où elle a fait. Allez, mais ce n'est pas du tout juste. Tu vois, il s'infiltre dans notre foyer et devient si nuisible. Et je commence à perdre du respect envers lui. Oh. Je comprends, écoute, tu sais, c'est l'une des choses qu'on rencontre, tu sais, quand on est marié à la fille de l'un de ces hommes riches. Tu sais, la plupart du temps, ils veulent contrôler les problèmes de ton foyer. Je ne comprends pas. Solo, écoute, je sais comment tu te sens, mais je pense que tu devrais essayer de convaincre Amanda de tomber enceinte. Elle est ta femme. Amanda. Amanda a acheté 3 cartons de préservatifs. Quoi? Oui, mon frère. Et elle a dit, je la cite, « Si tu oses me toucher sans préservatif, tu dormiras en cellule, donc elle n'est même pas prête de tomber enceinte jusqu'à la fin de son élection. » C'est mauvais point. C'est ce qu'elle a dit. Mon cher, ça c'est vraiment très grave. Écoute, la façon dont je vois les choses, si par hasard Amanda parvient à terminer sa course... Solo, dis adieu à l'accouchement jusqu'à la fin de ces 4 ans de mandat. Écoute, ça va juste me traverser l'esprit. C'est après 4 ans que tu dois espérer une histoire de grossesse ou d'accouchement. Tu connais le pire dans tout ça? C'est que tu ne rajeunis pas. Son Excellence, je suis troublé. Ils sont en étrousse. Monsieur le gouverneur adjoint, de quoi est-ce que vous parlez? Qui est à vos trousses? Mes ennemis politiques. Comment? Excellence, jette un coup d'œil. Jette juste un coup d'œil. Quoi? Comment est-ce que c'est arrivé à la presse? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ah. Oh mon Dieu. Ce n'est pas bon du tout. Qui a pu faire ça? Ah. Ce n'est pas bon ça. Ceci va certainement causer un frein à vos ambitions politiques. Mais, Excellence, que me suggérez-vous de faire? C'est très dur. Je pense que vous devriez voir Chief Pedro. Vous savez, il n'y a rien qu'il ne puisse régler. Ah, si vous le dites. Merci, Excellence. Oh, je suis vraiment foutu. Monsieur le gouverneur adjoint. Oui, chef. Vos ennemis ont réussi à vous tenir par les couilles. Je pense que c'est d'ailleurs pourquoi ils l'ont publié dans ce petit journal. Je veux dire, dans une presse locale. Maintenant, ils attendent votre réaction. Si vous faites davantage de bruit, ils vous briseront alors les couilles. Oh mon Dieu! Chef, que dois-je faire maintenant? Je n'aimerais pas que cela soit exposé. Voici ce que vous allez faire. J'aimerais que vous fassiez profil bas pour le moment. Pas de débat politique,
pas de mise en scène, n'acceptez même pas une seule interview à ce sujet. Vous m'avez compris? Oui. Bien. Tu n'as pas entendu? Entendu quoi? Écoute, le genre d'histoire que je vais entendre sortir de ta bouche, c'est le même genre de sauce et de nourriture que tu prépares souvent ici, que tu me donnes souvent. C'est ce que je vais entendre, mmh. Oui. Ah, ah. Attends, t'as pas entendu que notre madame sera la prochaine gouverneure de cet état? Hey, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Tu es juste ici à la maison et tu ne vas nulle part. Mais tu as des informations, hein? Tu as appris ça où? Écoute, je l'ai entendu. J'ai entendu Oga et madame parler de ça ce matin, dans leur chambre. Crois-moi, ce ne sont pas des mensonges. Je te dis la vérité. Attends, attends. Qui, oh, il parlait de quoi? Oga a dit que madame ne doit pas se présenter. Mais elle a insisté qu'elle va se présenter. Hey, John, il fallait voir les querelles. Hey, qu'est-ce qui dérange Oga? Regarde ce monsieur. Je ne comprends rien, oh. Parfois, je me dis que Oga a envoûté madame. Parfois, il est toujours là pour prendre du sable et mettre dans la sauce de madame. Une délicieuse sauce. John, pourquoi te mets-tu en colère? Je ne me fasse pas pourquoi. Hein? Dis-moi pourquoi je ne fais pas me fasser. C'est même comme si j'ai envie de pleurer. Ah, ah, tu ne sais pas que si madame devient la gouverneure de cet état, notre niveau va augmenter. Écoute, comme ils mettent notre salaire dans une petite enveloppe, ce sera maintenant dans une large et grande enveloppe qu'on va mettre notre salaire. Et comment tu sais ça? Les gens qui vivent avec les gouverneurs, ils sont aussi traités comme les gouverneurs, non? Ah ah, tu ne le savais pas avant. Maintenant, tu le sais. On m'a dit que... Bonjour, son excellence. Bonjour, madame. Et ta bouche, c'était quoi ça? C'est quoi? Alors, comme je le disais, je vais mettre de l'argent à votre disposition tous les trois. Pour vous et le docteur Routier, Maître Donne. Vous allez acheter la voix des électeurs. Vous allez acheter dans notre parti et ils vont acheter dans leurs différents partis aussi. Okay. Pour se présenter à l'élection gouvernorale. Mes chefs, je croyais que votre fille se présentait sous la bannière de notre parti. Oui, oui, ça c'est le plan du jeu. Le plan du jeu, c'est que vous alliez acheter des électeurs dans vos différents partis et ainsi battre campagne pour le compte de l'opposition. Mais une fois que les primaires s'annonceront, vous pourrez alors annoncer votre retrait. Ah oui, d'autres retraits. Demandez maintenant tous vos militants de voter pour ma fille. Ok, ça c'est vraiment un plan de jeu. Exactement. D'accord, chef, vous voyez cette situation? Il est dit que la concurrence appartient à celui qui joue. Exactement. Quoi que vous nous demandiez de faire, nous le ferons. Aussi longtemps que vous allez fournir de l'argent en abondance pour la campagne. Ne vous en faites pas du tout pour l'argent. L'argent n'est pas un problème. C'est magnifique. D'accord, nous allons le faire. Oui, oui. Nous allons le faire. D'accord, je ne l'ai pas dit à Don. Maître Don. Ok. Et même pas Outi. Je me suis dit que je devais vous appeler en privé pour qu'on en discute. C'est non très simple. Je le sais. Mettez juste assez d'argent à disposition, c'est tout. Nous ferons le reste. Oui. Okay. Nous allons vous soutenir là-dessus. Oui. À un moment, c'est une vraie surprise. Tu nous as même pas dit que tu venais. Oui, je n'ai pas voulu vous dire que j'arrivais. Je voulais vous prendre par surprise. Sois la bienvenue, maman. Tu as réussi ton coup, maman. Mais sinon, maman, j'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, c'est pourquoi je suis là, pour vérifier. Je suis là pour voir ta femme, ma belle-fille, pour avoir certaines réponses. De quoi s'agit-il? Est-ce vrai que tu t'apprêtes à te présenter aux élections gouvernementales? Oh oui, maman, c'est vrai. Maman, je ne peux pas attendre. Ça, c'est une opportunité que je ne dois pas louper. Chérie. Oui, maman. Je suis au courant. Oui, ça va. Ça va. Oui, ouais. Oui, mais elle peut t'écouter. Parce que c'est toi son mari ici. Oh, maman. Oui. Maman, elle m'écoute. Exactement. J'écoute ce qu'il dit. J'écoute. Nous allons bien. Oh, sérieux? J'avais presque oublié. S'il te plaît, dépêche-toi. Les gens n'attendent que toi. Laisse-moi juste me changer. Et qu'est-il arrivé à ton téléphone? C'est Christiana? Oui, madame. Viens avec mon téléphone. En fait, viens m'aider à m'apprêter. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Bonjour. Comment vas-tu? Salut.
Eh bien, Solomon, maman, c'est comme ça que ta femme se comporte. Maman, en fait, c'est ça le genre de femme que tu as. Hey, je l'avais dit. La fille d'un homme riche. Voilà. Pourquoi est-ce que tu me regardes de la sorte? Pourquoi t'es partie de la sorte devant ma mère? C'était impoli et à la fois méprisant. Pourquoi est-ce que j'ai été mal polie et méprisante? Hein? Tu as entendu Carolina, j'avais une réunion et je l'ai oubliée. Peu importe, tu n'es pas censée traiter ma mère de la sorte. Je ne le ferai pas à tes parents. Pourquoi est-ce que tu es si insupportable? Cesse de faire comme si je suis insupportable et essaie de faire un plein quand il n'y en a pas. C'est exactement ce que tu es en train de faire là. J'étais en train de parler à ta mère. J'avais une réunion et je me suis excusée respectueusement auprès de ta mère. Je m'en fiche si tu es en compétition pour une élection avec le monde entier. Je veux mettre tout de côté et tu tomberas enceinte de moi. Oui, parce que je suis fatiguée de tout ça. Je suis un fils unique. Es-tu un blagueur? Non. Es-tu un comédien? Premièrement, je ne couche plus avec toi jusqu'à la fin de l'élection. Voyons comment tu vas m'enceinte de la sorte. N'importe quoi. C'est là ce que tu décides? C'est ce que tu voulais? Ok. Premièrement, tu méprises ma mère. Deuxièmement, tu rentres. Regarde l'heure à laquelle tu rentres. Bonjour, chef. Solomon. Oui, père. Comment vas-tu? Je vais bien. Ok, sois le bienvenu. Je t'en prie, assieds-toi. Merci, père. Tu es un membre de la famille. Tu peux aller te servir un verre. Oh, merci, père. Je le ferai une autre fois, père. Ok. Bon, comme tu ne veux pas voir, alors pourquoi est-ce que tu veux me voir? Père, c'est au sujet de ma femme, Amanda. Amanda? Oui, père. Qu'est-ce qu'elle a fait? Père, Amanda me prive de mes droits conjugaux depuis des semaines. Peux-tu développer le sujet? Je veux vraiment comprendre. Père, Amanda m'a... Elle m'empêche de faire l'amour avec elle. Et je me demande bien comment... est-ce que nous allons faire des bébés si nous... ne faisons pas l'amour et... Je m'interroge simplement, monsieur. Solomon. Père. Est-ce que ta femme ne t'a-t-elle pas dit? Ne sais-tu pas que... ta femme veut se présenter pour l'élection au poste de gouverneur de cet état? Je suis au courant de cela, père. Bien. Et tu voudrais que ta femme soit enceinte au moment où la campagne électorale se déroule? Tu sais comment ces choses se passent. On passe d'un meeting à l'autre et on bat campagne d'un site électoral à l'autre. Avec une grossesse, n'est-ce pas, mettre la vie de ta femme en danger? Mais père, j'ai besoin d'un enfant. On a besoin d'un enfant. Solomon. Père. Les enfants viendront. Pourquoi n'as-tu pas de patience envers ta femme? Laisse-la gagner cette élection. Ensuite, tu auras tous les bébés que tu veux. Mais Solomon, père. Rentre à la maison et sois patient. D'accord, père. Bien. Sois patient. Les enfants viendront. D'accord, monsieur. Je t'en prie. Bien, père, je dois prendre la route. D'accord, fais bon voyage. D'accord, celui-ci est complet. Quand est-ce que j'aurai les autres? Peut-être plus tard. Ok. En passant, l'entretien que tu as eu avec ton beau-père, qu'en est-il?
Rien de positif. Comment ça? Il est désormais clair à mes yeux que chef Pedro accorde une attention poussée, plus d'intérêt à la carrière, au pouvoir, qu'à la volonté d'obtenir des petits-fils. Ce n'est pas bon du tout. Je pense que tu ne devrais pas permettre à Amanda de gagner cette élection. Ça, si tu veux avoir un enfant avec elle assez tôt. Mais pourquoi le ferais-je? Je ne suis pas un ennemi du progrès. De surcroît, je soutiens ses rêves, mais c'en est de trop. Oui, tu as là raison. Là maintenant, je suis confus, je ne sais pas quoi faire. Je te comprends, écoute. Il ne s'agit pas d'être un ennemi du progrès. Il s'agit ici des fruits de tes entrailles. Ton propre enfant. C'est très important. Bien que, écoute, ok. Ce n'est pas une affaire dans laquelle tu plonges juste. Et que je pense que je devrais bien le planifier. Il y a certainement une histoire à cette histoire. Allez. Le truc, c'est que je... Relax, relax. On va en parler. On va en parler. Désolé, chef. Je ne me retirerai pour personne. Vous êtes sérieux, Dr. Smith? Chef, je suis sérieux. N'oubliez pas que si vous êtes haut fonctionnaire aujourd'hui, c'est grâce à ma bienfaisance. J'ai fait nommer 7 d'entre vous sans l'aide de personne pour être de haut fonctionnaire. Les autres sont des avocats. Pourquoi votre cas serait différent? Chef, j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Mais ce sont mes derniers mots. Je ne me retire pour personne durant cette conférence de presse. Bien joué dans ce cas. Bien joué. Passez une bonne journée. Merci, chef. Ok. Oh, Dr. James Smith. Vraiment, les hommes sont vraiment imprévisibles. N'est-ce pas moi qui t'ai donné de l'argent pour acheter les voix pour ta course à l'élection pour que le moment venu tu te retires pour ma fille? Maintenant, tu décides de ne plus le faire. Ça va. Je sais comment je vais m'occuper de toi. Bien joué. Il n'y a pas de problème. Allô? Gogo? Oui. J'aimerais que tu me déniches toutes les dettes ou des trucs semblables concernant le Dr. James Smith. N'importe quelle dette ou des trucs semblables et contrôle-moi ces caméras. Est-ce que tu m'as compris? Oui. Oui, ok. N'importe quoi. Chérie, tu sors? Oui, je sors. Il est plus de 22 heures déjà. Est-ce la première fois que je sors dans la nuit? J'imagine que tu vas y passer la nuit. Oui, j'y vais avec papa. Nous avons une réunion à Charity. J'espère que nous n'aurons pas une autre dispute au sujet de notre voyage pour le village la semaine prochaine. Pourquoi faire? T'as oublié que nous nous y rendons pour l'enterrement de mon oncle? Oh oui, quel jour c'est encore? C'est le vendredi la semaine prochaine. Je souhaite qu'on voyage jeudi pour éviter de stresser le jour en question. Chérie, je suis désolée. Je ne pourrai plus venir avec toi. Tu vois, papa est parmi les dignitaires qui doivent accueillir le vice-président du Japon. Je le savais. Et il voulait... Je savais que cette situation allait arriver. Bébé, je suis désolée. Non, ça va. C'est bien. Tu peux aller accueillir le président du Japon ou le VIP du Japon. T'inquiète, j'irai enterrer mon oncle moi-même. Il n'y a pas de souci. Bébé, quel est encore non, le problème? Non, ça va.
ma femme pour m'accueillir quand je rentre du travail. Mes amis rentrent chez eux pour aller voir leur femme. Et me voici, tout seul, dans une maison vide. Et je viens à peine de me marier. Et le côté sombre de cette histoire, c'est que je ne sais même pas quand je vais commencer à faire des enfants. C'est certainement le genre de mariage que j'ai jamais souhaité. J'aime Amanda profondément et c'est pourquoi je l'ai épousée. Et je l'ai prise au sérieux. Bienvenue, monsieur. Christiana, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Est-ce que ma femme est rentrée? Pas encore, monsieur. Le dîner est-il prêt? Oui, monsieur. Merci. Je vous en prie, monsieur. Excusez-moi. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Chérie? Oui. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai vu des hommes lourdement armés devant notre maison. Oh, ils sont là pour nous protéger. Nous protéger? Oui, à cause de mon nouveau statut politique. Papa s'est dit qu'il était convenable que nous soyons en sécurité. Papa? Oui, et il a demandé que je te dise qu'en allant au travail, tu devrais être accompagné au moins de 2 agents de police. Et toutes ces décisions ont été prises sans mon avis? Et ton avis? Quel avis est-ce que tu as? Tu sais, je regarde à toute cette histoire. J'ai fermé les yeux sur tellement de choses. Mais tu sais, la façon dont ton père dicte comment nous devons vivre dans notre mariage commence sérieusement à m'énerver. Et ça détruit notre mariage. Cette connerie doit s'arrêter. Non, tu arrêtes! Ne t'avise plus jamais d'insulter mon père. Tu penses que mon père et ton père sont du même acabit? Tu es fou? Tu sais qui est mon père? Parfois, je m'interroge réellement. Comment? En fait, l'utilité de tes diplômes parce que tu ne vois pas la vie au-delà de ton père. Tu dois vraiment être stupide. Qu'est-ce qui va pas chez toi? T'as essayé de me gifler? Oui, je vais te frapper parce que tu es vraiment stupide. Ou alors, tu voudrais que je demande à ces policiers là-dehors de t'enfermer, es-tu fou? Je crois que t'as perdu les boules. C'est toi le malade. Ça tourne par où dans ta tête? Tu as vraiment un problème. T'es juste... Tu es vraiment stupide. Je vois que tu es en train de faire... Non, quelque chose ne va pas chez toi. Tu voudrais que je frappe sur une femme, mais t'inquiète pas, ça peut pas marcher. Tu peux même pas tenter de me toucher. Ça ne va pas marcher. Parce que tu pourriras en prison. Ta famille va te chercher, elle ne te trouvera pas. Écarte-toi simplement de mon chemin. Oh, pousse-moi. Madame, j'ai dit laisse-moi passer. Solomon. Okay. C'est terrible. Donc j'ai pas de mot à dire dans cette maison. Tu n'as aucun mot à dire, n'est-ce pas la maison de mon père? Es-tu fou? Ok. Regarde cet idiot fauché que j'ai ramassé dans la rigole. Merci, c'est bien. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? On nous a dit de vous suivre partout où vous allez. Oh non, merci beaucoup. J'ai pas besoin d'escorte. Ma femme est la personne concernée. Merci beaucoup. Merci.
Oui, père. Je t'ai vu au centre commercial très tôt aujourd'hui. Et ta voiture n'avait pas de garde du corps. Pourquoi est-ce que tu ne les emploies pas? Tout d'abord, chef, j'aimerais dire merci pour le personnel de sécurité, mais je peux me protéger, j'ai pas besoin d'une garde rapprochée. Écoute, Solomon, ces gardes ne sont pas là pour planter le décor. J'aimerais que tu comprennes que ma fille a désormais des puissants ennemis politiques. Et s'ils ne peuvent pas l'atteindre, ils t'atteindront, toi. Alors tu ne dois surtout pas te rendre vulnérable aux attaques. Hein? Je n'aimerais pas que ma fille chérie, qui sera le prochain gouverneur de cet état, soit affectée par quoi que ce soit, juste parce que tu as refusé de prendre des précautions. D'accord, chef. J'ai compris. Oui, s'il te plaît, fais-le, c'est vraiment très important. Et commence à te regarder comme le mari de l'aspirant gouverneur d'état. Hmm? Et regarde-toi désormais comme un membre de la famille puissante de cet état. Cela va vraiment t'aider. D'accord, père. Merci, père. Laisse-moi t'apporter quelque chose à boire. Oui, oui. Prends quelque chose à boire, s'il y a du vin. Honnêtement, je ne comprends toujours pas ce qu'il fait. Croire au chef qu'il a le droit de contrôler ce qui se passe dans mon mariage. Je n'ai plus un mot à dire dans ma propre maison. Parce qu'il dicte littéralement la moindre chose qui se passe dans mon mariage. Ok, peut-être parce que j'ai décidé d'entrer dans l'appartement qui a été construit par sa fille. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que j'aurais dû insister que nous entrions dans l'appartement que j'ai dû louer. Je suis totalement confus avec toute cette affaire. Les lamentations. Écoute, Solo, je déteste dire que je t'avais prévenu. Mais je vais te le redire. Je t'avais prévenu. C'est une très grosse erreur pour un mec d'aménager dans un appartement construit par sa femme. Très, très grosse erreur. C'est comme si tu comprends pas ce qui se passe. Ok. Son père, c'est le problème. Le père dans mon actif, Pedro, est le problème que j'ai dans mon mariage. Enlève son père, Amanda et moi serons en paix. Tous les petits problèmes, les incompréhensions que nous avons eues ont généralement pour cause chef Pedro, son père. C'est pas comme si je suis pas à l'aise avec ma femme ou... Son père, c'est le problème. Amanda le considère littéralement comme son idole. Elle adore littéralement le sol sur lequel il marche. Ok. Si seulement j'avais une solution pour toi. Écoute, je ne voudrais pas avoir l'air négatif, mais... Tu dois juste être patient envers elle, tu sais, vous venez juste de vous marier. Patient. Je veux avoir des enfants, je veux avoir des gosses. Mais ma femme n'est pas prête à faire des enfants et elle a me demandé d'être patient. Mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Jar, est-ce que tu vas souffler un enfant dans l'espace, Jar? Juste comme ça? Sérieux? Sérieux? Monsieur, puis-je? Oui, vas-y, merci. Christiana? Monsieur? Quand est-ce que ma femme a quitté cette maison? Elle est partie à l'aéroport vers midi, monsieur. L'aéroport, t'a-t-elle dit où elle allait? Oui, monsieur. Elle a dit qu'elle voyageait pour Londres avec son père, monsieur. Londres? Oui, monsieur. Mais que se passe-t-il ici? Non, pourquoi suis-je la dernière personne à savoir ce qui se passe dans ma maison? Attends, mais pourquoi est-ce qu'elle a voyagé sans me le dire? C'est quoi ces conneries? Prends-moi une bouteille de whisky et apporte-la dans ma chambre. D'accord, monsieur. Oui, entre. Entre. S'il te plaît, apporte ça ici.
Christiana? Monsieur? Monsieur? S'il te plaît, assieds-toi. Sois détendu, d'accord? Je ne te ferai pas de mal. Sais-tu que tu es très belle? Relax. Monsieur, je suis en train de faire quelque chose à la cuisine. Ok, ça va. Ici, c'est chez moi. D'accord? Et tout ce que tu le fais pour moi. Pour nous. Donc, je voudrais que tu sois relax. Et... Je t'ai déjà dit à quel point je te trouve très belle. Merci, monsieur. Pourquoi tu pleures? Je te ferai pas de mal. Ça t'a blessé? Alors, détends-toi. Christiana? Monsieur? Tu ne m'as pas dit comment était ta nuit? J'ai bien passé la nuit, monsieur. Es-tu sûr? Oui, monsieur. Ok. Merci pour la nuit dernière. Excusez-moi. Bienvenue, monsieur. Bon après-midi, Christiana. Bienvenue, monsieur. Christiana? Monsieur? Ça, c'est pour toi. Merci, monsieur. Téléphone. Maintenant, tu fais attention à ça. Tu as là un téléphone qui coûte 150 000 naira. Merci infiniment, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Veux-tu m'aider avec de l'eau, s'il te plaît? D'accord, monsieur. Mets-moi de l'eau chaude. Christiana? Christiana? Monsieur? Vous m'avez appelé, monsieur? Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci, monsieur. Christiana? Monsieur?
J'ai faim. Je sais, monsieur. C'est pour cela que je vous fais à manger. Oh, d'accord, t'as fait à manger. Oui, monsieur. Oui, c'est vrai, j'ai faim et j'ai généralement faim à cette heure. Mais là, j'ai faim, faim. Je sais, monsieur. Et actuellement, je prépare même quelque chose. Oui, je vais manger ce repas, mais avant... Monsieur, s'il vous plaît, j'ai quelque chose au feu et ça risque de brûler. T'inquiète pas, mais c'est pas plus important que ça. Ah, monsieur, il s'agit de votre déjeuner. Mais c'est pas si important que ça en ce moment, d'accord? C'est quoi tout ça, Christiana? C'est madame. Elle est de retour? Oui, monsieur. Elle est rentrée. Bonjour. Amanda, reviens ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit reviens ici. Je peux savoir d'où est-ce que tu sors? J'étais au Royaume-Uni. T'es allée où? À Londres. Tu es allée à Londres et tu as passé une semaine sans même m'en informer. Tu sais pas que t'es mariée? Tu sais pas que moi, je suis ton mari? De quoi est-ce que tu parles? J'étais au Royaume-Uni avec mon père. Je voyageais toujours pour le Royaume-Uni bien avant de te rencontrer. Je m'en fiche de savoir si tu voyageais déjà pour Londres avant que tu ne viennes au monde. Si tu es mariée et voudrais rester mariée à moi, tu devras prendre une permission auprès de moi avant que tu ne voyages pour je ne sais où, à l'intérieur ou à l'extérieur de ce pays. Qui diable penses-tu être? À qui diable penses-tu être en train de parler? Je m'en bats les couilles de savoir à qui tu penses que je m'adresse. Je suis le chef de cette maison. Moi, ma parole reste la dernière. Ta parole n'a pas de valeur. Je fais ce que je veux. Quand je le veux. Et comme je le veux. Ok. N'importe quoi. Que je te vois sortir de cette maison sans ma permission la prochaine fois. J'ai attaché mes pieds. Que je te revois sortir de cette maison. N'importe quoi. Bonjour, madame. Bonjour. Madame? Oui. En fait, je ne me sens pas très bien. Tu ne te sens pas bien? Non, madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, mais je crois que c'est le paludisme. Ah. Je t'ai donné de l'argent hier, n'est-ce pas? Oui, retire madame. Une partie dans cet argent et rends-toi à l'hôpital. Tu connais l'hôpital de la famille. D'accord. Oui, madame. Rends-toi là-bas et ils vont te soigner. Hôpital Goodluck? Oui, vas-y. D'accord, madame. Ok. Amanda, où est-ce que tu vas? Bonjour, vas-y. Monsieur. Bonjour. J'ai une réunion à Abuja. Quand vont nous parler de ça? S'il te plaît, je n'ai pas la force de me quereller. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je t'en dirai davantage à mon retour. Christiana? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu vas bien? Non, monsieur. Je ne me sens pas très bien. Tu ne vas pas bien et tu ne me le dis pas. Suis désolée, monsieur. Va t'habiller, je vais te conduire à l'hôpital. Dépêche-toi. D'accord, monsieur. Je suis désolée pour ça. Merci, monsieur. Roi David le Grand. Solo de solo, le seul mec chaud. S'il te plaît, assieds-toi. Oh, merci. Tu es la bonne personne que je voulais voir. Ah ouais? J'ai besoin de tes services de toute urgence. J'espère que c'est pas pour tuer quelqu'un. De quoi s'agit-il? Oui, oui. J'ai besoin d'un joli appartement dans un bel environnement. Tu viens de frapper à la bonne porte. C'est ça mon boulot. C'est pourquoi je me dirige vers toi. Alors puis-je l'avoir? Bien sûr que si. Mais que voudrais-tu exactement? Dans un immeuble, je ne voudrais pas quelque chose de trop frappant. J'ai juste besoin d'un truc... un truc du bien, où y passer quelque temps. Qu'est-ce que tu proposes? Ok, je crois que j'ai un appartement de 3 chambres dans un duplex à Global Estate. Global Estate? Ouais. Oh. L'appartement à 3 chambres vaut environ 1 500 000 naira. Hey, mec! Solo, attends, dis-moi. Tu déménages de chez toi? Mon ami, oublie les questions personnelles. Nous parlons là des business. Allons vérifier cela.
De toute façon, on y va. Allons-y tout de suite. D'accord. Et qu'en est-il de l'affaire concernant... Est-ce que ça te plaît? Oui, ça me plaît. C'est vraiment très beau. Merci. Mais pas aussi beau que tu l'es, toi. Oh. Donne-moi ta main, je vais te montrer l'intérieur. D'accord. Allô, docteur. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je viens juste de quitter Abuja. Oui, j'ai dit à ma ménagère de venir vous voir parce qu'elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. C'est exact. Votre mari l'a amenée ici ce matin. Oui, nous lui avons fait passer quelques tests et nous avons découvert qu'elle est enceinte. Vous dites qu'elle est enceinte? Oui, elle a une grossesse d'environ 2 semaines. Docteur, je vais vous rappeler. Oui, je vous reparle plus tard. C'est d'accord. C'est d'accord. S'il vous plaît. D'accord. Bye. Chauffeur, s'il vous plaît, plus rapidement. Christiana! Christiana! Où est cette fille? Christiana! Où est Christiana? T'es rentrée? Oui! Oh, Christiana, elle n'est plus ici. Elle n'est pas ici? Sais-tu que Dr. Chris m'a appelé pour me dire qu'elle est enceinte? Vraiment? Je vais la tuer. Oh, Chris! En effet, c'est confirmé qu'elle est vraiment enceinte. Pas dans ma maison. Oh non, 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 elle n'est plus du tout chez toi. Oh, où est-elle? Oh! Donc elle est tombée enceinte et elle a fui? Oh, non, non, n'est-ce pas? Non, 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 elle s'est pas enfuie. En fait, je lui ai donné un meilleur endroit où vivre. Chérie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? J'ai fait quoi? Ok, t'es pas au courant. Elle est en fait enceinte de moi. Tu as dit? J'ai dit que Christiana est enceinte de moi. Ta fille de ménage porte mon enfant. Quoi? Putain, tu... Non, je vais même pas faire ça. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je t'attendais justement pour que je puisse te le dire en face. Mon avocat t'enverra les papiers du divorce. Eh oui, t'es invité à notre mariage. Oui, t'es invité à notre mariage au cas où... Tu voudrais venir, Christiana et moi allons nous marier. Je pense qu'il y a autre chose. Ah oui, tu as désormais tout le temps pour te lancer dans ta politique de merde. De quoi? Passe une bonne journée. Salomon. Ah oui. Ah. Salomon a le toupet de me faire ça après tout ce que j'ai fait pour lui. Amanda, oublie un peu Salomon. Amanda, oublie un peu Salomon et ta ménagère. Mobilisons nos énergies pour la prochaine élection primaire. Il a engrossé ma ménagère. Et il a le toupet de divorcer de moi à un moment aussi crucial. Amanda, cet idiot ne mérite pas la moindre larme de ta part. Un idiot qui est descendu si bas pour coucher avec ta ménagère. Amanda, ce mec ne mérite pas que tu coules la moindre larme pour lui. En ce qui me concerne, c'est un porc. Un porc, tout simplement, alors. Il doit vivre dans la rigole. Ma ménagère. Une fille que j'ai ramenée du village. Une simple ménagère m'a arraché mon mari.
Amanda, tu dois arrêter de te punir autant. Tu seras la prochaine gouverneure de cet état. Alors je pense que tu devrais oublier l'histoire de Solomon pour qu'on se concentre sur la prochaine élection primaire. Oublie tout simplement. Ok. Calme-toi, Amanda. Ça va aller, d'accord? Oublie tout simplement Solomon, s'il te plaît. Oublie tout ça, Amanda. Oui, Solomon. Donc c'est comme ça que tu es. C'est ça, ton vrai visage. Solomon, est-ce que tu sais que tu es... Tu es un vrai faux. Donc c'est comme ça que tu es. Tu as eu la témérité d'enceinter ta fille de ménage. La fille de ménage de ma fille. Regardez quelqu'un que j'essaie d'aider. J'essaie d'améliorer ton statut dans la société et c'est comme ça que tu me remercies. Tu es un zouave. Écoute-moi très bien, tu vas payer très cher pour ça. Je vais m'assurer de traiter ton cas avec acharnement. Idiot. Faux. Ne t'en fais pas. Je vais te capturer. Idiot. N'importe quoi. Regardez-moi ça, tu es une chèvre olympique. Tu es un criminel. Et je vais te traiter de la sorte. Ne t'en fais pas, tiens-toi prêt. Je viens à ta rencontre. Sombre idiot. Bébé, s'il te plaît, peux-tu me préparer la sauce de pistache avec des crevettes? Quoi? C'est déjà préparé? Bébé, je vais te rejoindre, je suis en train d'attendre dès qu'on doit faire quelques courses. Oui, d'accord, ok. N'apprête pas pour deux, il vient pas à la maison avec moi, seulement le mien. Merci chérie, je t'aime. Chef Pedro. Oui. La décision à prendre a été difficile pour le parti. Mais, vous le savez, les intérêts du parti surpassent tous les autres intérêts. Le caucus du parti a décidé que votre fille ne sera plus notre porte-étendard pour les prochaines élections. Et aussi, nous avons décidé de retirer nos votes pour qu'elle puisse gagner les primaires. Chef, nous avons décidé de la disqualifier pour la suite. Oui, nous allons la disqualifier pour la suite. Mais son cas n'est pas irrémédiable. Il y a encore un peu de temps pour reconsidérer sa candidature. La situation est critique. Et vous le savez, si nous laissons votre fille être notre porte-étendard, nous serions en train de commettre un suicide politique. Et nos adversaires vont s'appuyer dessus pour nous écraser comme du blé. Quelqu'un d'autre s'occupait de son foyer. Voilà qui est une autre erreur. Vous voyez? Non, ne dites pas ça. C'est elle qui s'occupe de toutes mes affaires. Elle peut s'occuper de sa maison. En ce moment, nous parlons de politique et non d'affaires. Dans les affaires, quelqu'un d'autre peut gérer vos affaires, pas en politique. Vous voyez? Et non seulement ça. Son scandale est sur les toits. Vous écoutez? Son mari a violé sa ménagère. A divorcé d'elle. Et ensuite épouser la ménagère. À mon avis, nous devons vraiment trouver quelqu'un d'autre pour cette affaire. Oui. Nous devons trouver quelqu'un qui en soit capable. Quelqu'un que nous allons envoyer. Alors, comment vas-tu, ma chère? Je me sens beaucoup mieux. Ok, écoute. J'ai réfléchi récemment au sujet de quelque chose de très sérieux. De quoi s'agit-il? Je pense que tu dois te retirer de la course. Père. Oui. Se retirer? Oui. Mais chef, elle est allée trop loin pour abandonner maintenant. Écoute, ma chère, je sais très bien de quoi je parle. Je n'aimerais pas que ma fille ait su une quelconque humiliation dans les urnes. Je sais que nous savons tous très bien ce qu'une humiliation dans les urnes pourrait créer en elle en ce moment précis.
Donc je pense que la meilleure chose pour toi serait de te retirer avec honneur en ce moment plutôt que d'aller essuyer cette défaite et la honte. Tu sais à quel point le docteur se bat pour faire voir le jour au bébé. Alors fais tout ton possible pour te retirer la tête haute et voyage ensuite pour un endroit vraiment calme où tu pourras te reposer. D'accord, père. Allez, on avance. Attends, je vais t'aider, c'est comme ça. Non, mais celui-ci, quoi? Celui-ci. Ah oh mon Dieu, les prochains. Ah, qui ça va bien? Ouvrez la porte. Oh, non, je passe en bas. Ouais, je t'attends. Un instant. Ah, c'est toi, vas-y, entre. Mon frère! Davido! Comment tu vas? Pourquoi es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as entendu? Entendre quoi? Amanda s'est finalement retiré à la course au gouvernoral, mec. Et en quoi est-ce que ça me concerne? C'était ça que tu voulais me dire avec tant d'excitation. Oui, désolé, j'ai cru que cela pourrait t'intéresser. Je suis désolé, la servitude ne m'intéresse plus. Waouh, ça c'est sérieux. Chérie. Oui, bébé. Peux-tu nous prendre une bouteille de vin avec tes verres? S'il te plaît. D'accord, chérie. Alors, comme ça, mon frère. Oh, attends, une minute. Ouais. Soudainement, tu voudrais qu'on prenne un verre. Ne partageons-nous pas souvent à boire ici? Ou il y a maintenant une heure pour qu'on puisse boire, ou alors j'ai plus le droit de boire dans ma propre maison quand je veux. C'est ce que tu veux dire? Voilà, on peut y aller. Ok. En quel honneur buvons-nous? Eh bien, je sais pas à quel honneur tu vas boire, mais ma femme et moi, nous buvons et célébrons toujours un foyer paisible. Ouais. Chérie. Oui, chérie. S'il te plaît, sers-lui un peu de vin. Non. Ok. Tu sais que nous avons des petites choses intéressantes dans le frigo. Oui. S'il te plaît. Peux-tu en apporter un peu pour lui? Il me semble t'as faim. Qu'il a faim. Mon nom. C'est ça, en effet, mon nom. J'ai faim. Allez, chérie. Ça suffit. Allez. Vas-y, mon pote, serre-toi. Sinon, quoi de neuf? Le contrat, as-tu réussi à le décrocher? En effet, j'ai réussi. Mon gars. Félicitations. Et tu es sérieux que nous n'avons pas de raison d'ouvrir ce vin? On va porter un toast pour ça. À la réussite. Contrat. Mon gars, tu savoures vraiment ton nouveau mariage. Oui, mon frère. Dans chaque mariage, au premier plan, la plupart des hommes recherchent la paix, l'amour et le respect de la part de leur femme. Et je vais te dire un truc. J'ai ça en abondance chez cette jeune femme qui vient de se lever là. Encore. Écoute, étant chez cette femme qui t'a servi, je n'avais jamais su que tu avais des... J'ai aussi d'autres que... Mais non, j'arrive pas à... Comme ceci, sans voir mes jeux ressortir. Je mange de la bonne nourriture, non? Je mange plus de la nourriture chauffée ou... Mon frère, tu as raison. Je mange de la bonne, mon pote. Je t'assure. Mec! Ouais. Rien de mieux que la liberté. La liberté, la paix, l'amour et la prière d'une femme qui t'aime. C'est tout.